These ones from Iran, you can see they are not the same. You can see if you can take one like that. You can put it here. And these carbonized seeds, they are 5,000 years old. And they will tell us a lot about the field. Mm-hmm. If it was irrigated or how it was worked, the field, how they cut the crops and so on. I'm Sundas Aslam, PhD fellow at Qaid-e-Azam University, Islamabad, Pakistan. And I have been student of archaeology since 2012. And I have worked on the floral and faunal motifs on the ceramics of Kachmakran, Balochistan, Pakistan. These are old gandum species, old wheat species. So it means you will harvest them, okay, and you make the threshing and all that. But then you have to dehusk them. Since 2016, I'm a member of MAFP, which is French Archaeological Mission, working in Chandundaro, Pakistan. L'objectif de nos recherches est d'approfondir la question de l'origine du développement et des interactions régionales de la civilisation de l'Indus, une civilisation qui s'est développée dans la deuxième moitié du troisième millénaire au Pakistan et qui constitue le tout premier grand phénomène d'urbanisation en Asie du Sud. Le terrain actuel de nos travaux se situe donc dans la province du Sindh, au sud-est du Pakistan, une région qui est considérée comme le berceau de la civilisation de l'Indus. Dans le cadre d'une convention spécifique, d'une convention de coopération scientifique que notre laboratoire et notre mission a avec l'université Qaid-e-Azam Islamabad, cette université a sélectionné en 2016 trois de ses étudiants, parmi lesquels Sundas Aslam, pour participer à nos fouilles de Chandundaro et bénéficier d'une formation personnalisée dispensée par les spécialistes de notre équipe sur le terrain. This is a great opportunity for me to work with a foreign mission, which is, very rare in Pakistan to work with a mission like this, to get new scientific techniques, to learn about new techniques. Donc je vais avoir quatre courbes. J'ai déjà fait une mesure tout à l'heure pendant que vous étiez à côté. Donc, j'ai ma première courbe. Ce stage lui permet également d'établir des ponts entre les laboratoires spécialisés en France avec lesquels nous travaillons et les institutions pakistanaises avec lesquelles Sundas a déjà établi des partenariats, comme le Muséum d'histoire naturelle d'Islamabad, qui jouera certainement un rôle clé dans le futur de ces recherches. It will help me in different ways. Like before coming here, I never know about the sampling, how to collect the samples from the site, and why it should be important for me to collect these samples. So I'm learning here different techniques, starting from the samples, collection of the samples, and then their cleaning to test under the microscope. So these are the different techniques that I'm going to learn more here. And this one specifically is here. It's this type. This is a tamarisk tree, Tamarisk aphylla, Pakistan. France, that's another one from Saudi Arabia. Par ailleurs, donc le soutien du ministère sur la longue durée à notre mission, qui, je le rappelle, a été créée en 1958, a aussi joué un rôle clé. Non seulement ce soutien a fait de l'archéologie un des piliers les plus solides de la coopération franco-pakistanaise, mais également ce soutien permet aujourd'hui pour notre mission de pouvoir bénéficier et proposer l'accueil de ces jeunes chercheurs étrangers qui joueront un rôle dans le futur fondamental dans le développement de nos activités et dans leurs recherches au Pakistan.